rendu au kiosque de Éthique. Très bon produit, très méconnu aussi. Puis, cette année, une nouveauté, Éthique et Tactique se sont réunis. Salut Éric. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. As-tu deux minutes de me parler des nouveautés 2012 de cette année? Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, les produits, ça fait quand même longtemps qu'ils existent. Ça va faire 5 ans. Mais on s'est associé avec Éthique. Alors, ils vont être distribués par Éthique. C'est toutes des cannes qu'on commence. Notre bas de gamme, là, dans nos cannes, ils commencent en IM8. Puis après ça, on monte IM9, IM10. Les cannes sont toutes dessinées ici, au Québec, sur place. C'est tous nos blancs à nous autres. C'est pas des blancs de d'autres compagnies qu'on a utilisés. C'est nos produits à nous autres. On essaie d'aller beaucoup sur la qualité du produit fini, puis des actions différentes, des longueurs différentes aussi qui vont sortir. On a aussi des moulinets qu'on a sortis pour cette année. Donc, voici les moulinets. Je vous présente Lynn Gervais. Salut Lynn, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Fait qu'on va continuer avec Éric pour les moulinets. Et je t'en reviens tantôt. Parfait. Fait que c'est quoi tes nouveaux moulinets? Les moulinets, on a sorti des nouveaux moulinets. On est allé dans du 4 plus 1 ball bearing, 6 plus 1 ball bearing et du 8 plus 1 ball bearing. L'avantage qu'on a fait avec nos moulinets, c'est que si, mettons, tu achètes le 8 plus 1 ball bearing, la bobine, elle va fitter sur l'autre moulinet aussi de bas de gamme. Fait qu'on a gardé le même frame pour chacun des moulinets, sauf qu'on a changé des aspects dans les moulinets pour aller dessus. La qualité des bearings, c'est des bearings japonais. On a tout le anti-reverse, comme tous les autres, mais on a rajouté aussi 30 points d'arrêt, qui va faire que quand ton moulinet, il va bloquer, là, il va m'en voir, là, mais il va avoir de 30 points d'arrêt dessus. Ça fait qu'il arrête exactement où tu arrêtes. Il arrête exactement ce que tu veux arrêter. Ça, c'est super intéressant. Puis on a fait aussi, on est allé dans les bait casts. Puis les bait casts, qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a mis des vrais aimants à l'intérieur. Okay. Alors, quand on le voit, on va le voir, là, il est au maximum. On va le voir qu'il va ralentir plus vite que si on enlève les aimants complètement. Puis là, on le voit qu'il roule plus longtemps. On a fait des moulinets comme ça, ils sont super smooth, ils vont super bien. Des beaux lancers qu'on peut faire avec ça. Je te remercie de ton temps, Éric. Ça fait plaisir. Bonne saison. Toi aussi. Bonne pêche.